Salut à tous, ici Onimusha et bienvenue pour ce premier épisode officiel de WWE 2K22, la deuxième saison. On va donc attaquer ce premier mois. Alors, Triple H voulait qu'on mette la moins populaire de nos stars dans un match, et bah c'est très bien. Puis c'est ce qu'on va faire, puisque ça va être le... Ah oui, il faut que ça re-télécharge les renders. Puisque ça va être le combat par équipe entre Sarah Logan et... j'avais dit qui? Sarah Logan et Nikki Bella. Contre Mandy Rose et Gigi Dolin. Et ça, normalement, direct un match en table pour le titre par équipe. Là, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est très très bien. Le main event, c'est bien entendu The Fiend contre Jomo. Peut-être faire... mettre un match en table. On va se calmer. Je mets pas le titre en jeu, vous savez. Si vous avez suivi la première saison, vous savez que j'aime pas mettre les titres en jeu dans les daily. Enfin, dans les weekly, pardon. Là, je le fais parce que on n'a pas de championne. Donc, du coup, tant qu'à faire, autant que la rivalité est un enjeu, en fait. Donc, je le fais sans hésiter. Mais vraiment, j'aime bien attendre les pay-per-view pour mettre ça. Mais évidemment, si on voulait avoir la note maximum sur le match, il faudrait, que le titre soit en jeu. Mais bon, c'est pas mon délire. Maintenant, il faut qu'on fasse d'autres rivalités. On a Liv Morgan, Nia Jax. Et pour préserver Liv Morgan, j'ai bien envie de commencer la rivalité avec une provocation. Voilà. Ensuite, ici, j'ai Montez Ford, et j'avais dit Montez Ford contre Kisly. Donc il faut que Kisly fasse un heel turn. Montez Ford, mais Kisly, j'aime bien. Je pense qu'il irait très bien en méchant, Kisly, donc heel turn pour Kisly. Donc Montez Ford au repos, c'est bête. Sting Andrade et Cardona Otis. On va faire un match normal. Parce que Cardona n'a pas une grosse endurance. Si on trouve son partenaire, on le prend bien évidemment. Et Sting Andrade, on peut les faire se taper dessus, il n'y a pas de souci. Petit match en table là. Il me reste quoi? Il me reste Montez Ford et Nia Jax. Bon, on va demander la charité à Montez Ford, on va essayer de prendre l'avantage direct. Bon là, on peut rien faire. Question du roster, on avait vu ce qu'il y avait. Est-ce qu'on peut acheter un petit spa direct? Petit spa direct. On sait jamais. Voilà. Donc ça, c'est bon, on va gagner une réservation d'équipe. C'est parfait pour le pay-per-view. Et on va voir ce qu'il en est. Allez, let's go. J'espère que la provocation Liv Morgan, Nia Jax va fonctionner. Un show qui nous coûte 38 000, donc on devrait être pas mal bénéficiaire. Alors, on mise beaucoup sur cette division par équipe. Et c'est Mandy Rose et Gigi Dolin qui gagnent. Les Poison, je sais plus comment c'est leur nom d'équipe. Les 3 étoiles, c'est très bien. Ok, la rivalité a pris. Bon, c'est... voilà. Matt Cardona versus Otis. Otis qui bat Cardona. 2 étoiles, mais la rivalité est prise, donc ça va augmenter. Kisly, il turn. Sting Andrade. Ça va pas faire 3 étoiles. Quoique ce serait bien. Oh, Andrade qui bat Sting. 2,5. La rivalité n'est pas prise. On fera une provocation. Montez Ford, la charité. Ok, ça fonctionne tout le temps, la charité. Et The Fiend contre John Morrison. On en attend beaucoup de ce match. Au moins 3 étoiles. The Fiend bat Morrison, c'est un match pourri. Ça, c'est chiant. Lui aussi met les titres en jeu. May et Gail King contre Nathalie et Charlotte Flair. En vrai, c'est plutôt une bonne combinaison. C'est May et Gail King qui gagnent les ceintures. 3 étoiles et demie, d'accord. Autopromotion de Doudrop qui fait 0. Ok. Cédric Alexander contre Luchasaurus. En vrai, c'est très bien.
de... Autopromotion de The Blade. Chuck Palumbo et Chad Gable contre Drew Gulak et Christian. Ok, pour les titres par équipe. Autopromotion d'Adam Page. Plus 6. Purée. Brock Lesnar contre Karl Anderson. Victoire de Brock Lesnar. Ouais. 3 étoiles. Bon, je crois qu'il nous bat, hein. Il doit nous battre, hein. Oui, il nous bat. Il nous bat, il nous bat, il nous bat. Le film Jomo, je suis déçu que ça n'a pas pris plus que ça. On va devoir miser pour le moment sur les titres féminins par équipe. En attendant que Liv Morgan et Ajax ça se débloque. Mandy et Gigi Dolin forment vraiment une bonne équipe, donc ça tombe très bien. Andrade a vraiment un don pour les matchs en table. Bon, bah c'est bon à savoir. On a fait un bon profit, évolution des fans, plus 77 000. Mais ça suffit pas pour prendre la tête. Il a fait 83 000. Ah ouais. Ok. Eh ben, c'est pas grave. Oh, il a une belle brochette de champion. Hein. Ça ne m'affole pas plus que ça, je vais vous avouer. Alors, qui est-ce qui veut Triple H? Planifier une intervention contre un de vos champions. Pourquoi je ferais ça? C'est la question, hein. Pourquoi je ferais ça? Pour gagner quoi en plus? Ah, c'est pas censé 3. Ouais, mais je sais pas, ça m'emballe pas là. Là, comme ça, ça m'emballe pas du tout. On refait le match entre les titres par équipe. Est-ce qu'on taperait pas un Extreme Rules? Toujours plus. Non, match en table. On va pas trop claquer notre pognon, on va en avoir besoin. On va remettre ça en main event. On va rouvrir avec le Finn Jomo, hein. Non. On va faire une provocation de Jomo sur le Fiend. Comme ça. L'inverse. Une provocation du Fiend sur Jomo. Comme ça, Jomo, ça le repose. Repos aujourd'hui pour Morrison. Ensuite. Eh ben, Nia Jax, Liv Morgan, on refait le match aussi. Bon, Cardona Otis, ça a pris. Mais il a besoin de repos, Cardona. Donc, provocation de Otis sur Cardona. Il a que un en micro, Cardona. Lol. Sting Andrade, on va refaire un match en table. Ça va donner l'avantage à Andrade, mais c'est pas grave. Bah, du coup, Montesford Kisly, c'est pour ce soir. Extreme Rules. Non. Match en table. Parce qu'ils sont pas assez... Eh, on a que des matchs en table. Oui, mais c'est pas grave. Je crois pas que ce soit pris en compte. Je sais pas si c'est pris en compte. J'ai pas envie de claquer un Extreme Rules alors que ça va pas être terrible. Promo, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire une charité? Charité de Jomo. Allez. On va directement claquer ça. Non, ça on va attendre. Ça on l'a, on le claque. Ça, ça nous fait gagner des fans, donc on va le prendre. On va attendre. On va attendre. Alors, voyons voir qui c'est qu'il y a dans les agents libres. Roman Reigns, John Cena, Rey Mysterio, Nakamura, Sheamus, T-Bar, Vampiro. Il a marié Doug Gallows. Ah, il y a Gallows. Ah, mais on n'a pas Anderson, c'est eux qui l'ont. Sami Zayn, Rick Onning, So Young, toujours, Tyler Bay, Kelly Ray,
Tucker, Santos Escobar et Isaiah Scott, toujours les mêmes. Personne d'intéressant. Il y a qui en permanent, Eva? Non, c'est pas intéressant. Il me faut des petits ici, mais qui? J'ai rien pour matcher. Pour le moment, j'ai rien, donc ça sert à rien. Il est pas très cher, John Cena, pour 10 semaines, hein, je trouve. Hein. On n'a pas besoin, hein, mais c'est juste... Ok. Dans les légendes, Shawn Michael qui est apparu, Triple H, Sabu, Mr. T, Jack Roberts, Ultimate Warrior, Beth Phoenix, Sable, Papa Chango et Ariel. Ouais. On peut pas les recruter de façon permanente, de toute façon les légendes. On fait revenir Sable et Ariel pour s'affronter. Bon, juste pendant 5 semaines, après, dis c'est bon, allez, cassez-vous. Merci d'être venu, au revoir. Au revoir, ça sera un bon move, hein, mais bon. Est-ce que je peux claquer un spa sur Cardona? En vrai, oui. Et on voit avec ça? Allez, on voit avec ça. 71 000 le show? C'est déjà un peu plus cher, hein. Allez, Liv Morgan contre Nia Jax. Oui, bien. 3,5, c'est bien. Oh, ça monte pas. Putain, ça c'est la rivalité qui va foirer. Andrade qui bat encore Sting. Ah, ça y est, la rivalité a prise. Otis Cardona. Ça augmente. Allez, Montez Ford Kisly. Montez Ford qui bat Kisly. En vrai, c'est bien, mais la rivalité prend pas. Ça, c'est chiant. Jumbo, la petite charité. Et les main event. Ça devrait être pas tout mal, je pense. Encore les victoires des championnes. Ah, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Allez, Charlotte Flair, Natalia. Contre Gail qui me mail. Les championnes conservent leur titre. Oh, match incroyable. C'est parce qu'il met la ceinture en jeu, c'est pour ça. Encore l'autopromotion d'Adam Page, il a pris 12 points en 2 shows. Christian contre The Blade. Ça devrait faire un beau match en vrai. Victoire du Blade. Oh, ok. Doudrop. Plus 3. Drew Gulak, pardon, et Luchasaurus contre Karl Anderson et Cedric Alexander. Ça devrait pas être terrible. Voilà. Promo de Palumbo. Ok. Chad Gable qui va essayer de battre Brock Lesnar pour la ceinture majeure. C'est bizarre, on s'y attendait. Mais c'est super, ok. Chad Gable, top tier. Il nous bat encore, je crois. Ouais, il nous... Ah, c'est serré en vrai, hein. C'est serré en vrai. Sur quoi il faut qu'on mise, nous? Nia Jax, Liv Morgan... En fait, c'est les filles qui vont carry notre show. Digidoline a vraiment un don pour les matchs en table. Ok. On a pris 79 000 fans, il devrait faire plus. On a fait un profit de 20 000, c'est très peu. Il a fait 82 000 et 9 000, donc ça va. Je suis désolé, c'est Drew Gulak, forme une incroyable équipe. En vrai, ouais, hein. En vrai, je pense que ça pourrait être une bonne équipe. Hein. Ah, mais Charlotte Flair, elle se bat. Elle est championne et elle se bat dans la division par équipe également. Si elle récupère les deux titres, ça va lui faire plus de vent en popularité. Ah, bah tiens, on a Charlotte. Bon, à Deville, je voulais juste te dire que je comptais emmener Rouge jusqu'au sommet des power rankings. J'ai le roster et les moyens pour faire tourner le show. Je crois que SmackDown n'a aucune chance. Tu crois vraiment pouvoir te mesurer à nous alors qu'on a des superstars comme Brock Lesnar? Reviens sur Terre. Effectivement, il a Brock Lesnar. Oui, mais ça on sait, Triple H, merci. Qu'est-ce que tu veux, Triple H? Une intervention encore? Oh, pour un veto champ? Ça, on prend. On fera une intervention, c'est obligado. Capital Wrestling? Non, on va rester là-dessus. On verra tout à l'heure. Est-ce qu'il y a du monde? Non, est-ce qu'il y a du monde à recruter?
Randy Orton, Seth Rollins, Becky Lynch. Oula, il y a du gros là. Edge. Ah, Reconning, voilà, alors, permanente. Rey Mysterio, Tegan Nox, Mustafa Ali, Luke Harper. En permanent, Luke Harper. Ah, Tibor, Su Yung, en plus, ça c'est encore les mêmes là. Luke Harper, qu'est-ce qu'on pourra en faire de Luke Harper? Rien. On n'a pas de superstar qui végète pour le moment. Eh bah, il y a de la superstar. Hein. Wow, Stone Cold, Macho Man, Diesel, Scott Steiner, Big Show, DDP, Hurricane. Et là, c'est encore là. Ah, il y a Daphné. Et Disco Inferno. Oh, trop bien. Excellent, Disco Inferno. On prend Disco Inferno et Scott Steiner. Oh, la WCW is back. Daphné. Petite Daphné, là, qui revient. Petit Farouk, hein. Farouk JBL, hein. Oh, tu en fais revenir à Farouk et JBL, quoi. Ah, ça donne envie, hein. Ça donne envie, putain, ça donne envie. Mais on va pas faire ça, mais ça donne envie, hein. Ça fait réfléchir, quand même. Petit Farouk JBL, là, pour la division par équipe. Ils ont personne à affronter. Mais avouez que ce serait sexy, hein. Est-ce qu'ils ont vraiment personne à affronter? Il faudrait des combattants. On n'a pas de combattants qui végètent, là. On a Cardona, mais il a pas de partenaire. Puis en plus, il est bien engagé avec Otis, donc... il aurait fallu genre Cardona et... on a qu'un seul combattant. Ouais. Ah non, bah, Morrison et... Oh, Morrison-Cardona, ça ferait une putain d'équipe, par contre. Il aurait fallu faire Morrison-Cardona contre... contre Farouk et JBL. Ça aurait été ouf, je crois. En plus, je crois que ça aurait vraiment très très bien marché. Allez, c'est parti. Bah, on refait le match, hein. Division par équipe, on va vous épuiser comme Jaja, hein. C'est vous qui portez le show, on part sur un Extreme Rules match, hein. Main event. Oh, bah, même main event, hein. J'ai envie de te dire. Il faut refaire... Il faut refaire Jomo le Fiend, mais c'est pas... C'est pas ouf, quoi. Il faut refaire Nia Jax with Morgan. Match en table. Et il faut faire... Otis Cardona. Oui. Kisly Montesfort s'est rappé, mais... On peut faire un petit Otis Cardona. Match normal, parce que... On va économiser un tout petit peu. En promotion, on va faire... non, je veux... Provocation de Andrade. Oh, il a que 1. Oh. Et Sting, il a combien? 2. Oh. Bon, bah, Sting, on va dire. Hein. Pff, oh, sur Andrade. J'ai pas pensé à regarder ça. Auto-promotion. Non. On va provoquer. Kisly va provoquer Montesford. Et on va faire un peu de charité avec Montesford, justement. Pour essayer de rattraper notre retard, on peut... Pff, ah, ça vaut peut-être pas le coup de passer directement sur le Capitole. Peut-être rester sur la salle de concert pour le moment. Acheter ça, peut-être. Ça fait 91 000. On va rester comme ça pour le moment. C'est bon. Ah non, une intervention. Ah, c'est le veto champ. Ah, c'est le veto champ. Et bah, je peux pas faire une intervention ici. Je peux faire une intervention ici. Je peux pas. Si, je peux faire une intervention ici. Je peux faire une intervention ici en faisant
Montez Ford contre Jomo avec une intervention. Non, pardon. Une intervention du Fiend. Oui. Ok. Et là, il reste plus personne. Ah, c'est Andrade. On va faire la charité Andrade. Hein. C'est tellement cohérent. Ça va faire une étoile. Hein. Je vous préviens tout de suite. Alors que pour de vrai, oh là là, Montez Ford Jomo, le match fou furieux que ça ferait. Oh, moi je veux voir ça, c'est un dream match. Je suis sûr que c'est un dream match. Ok, bon, bah on est parti là-dessus. Allez. 83 000. Oh. Je sais pas si on va être. On va faire du profit là-dessus. Hein. Allez. Liv Morgan qui remporte son match contre Nia Jax. 4 étoiles, excellent. Oh, ouais, ça prend pas. Ok, Jomo qui gagne quand même malgré l'intervention du Fiend. Une et demie, hein, je l'avais dit. Et la rivalité qui monte pas. La rivalité qui monte. Cardona Otis, ça prend pas. Cardona qui bat Otis ce coup-ci. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Andrade qui nous rapporte un peu de monde. Et les filles, sauvez-nous la soirée là parce que... Ah, les challengers qui gagnent cette fois-ci. Yes, 3,5. Ok, on a un peu sauvé les meubles. Chuck Gable, Brock Lesnar, le retour. Brock Lesnar qui bat encore Chuck Gable. Pardon ! Non mais non. La dernière fois, ça avait foiré ce match-là. Ouais. Et il va nous battre. Il va encore nous battre ce soir. Ça va être de la merde, ça. Ouais, merci. Ah là là, ils vont nous mettre une tollée. Les champions qui conservent leur titre. Enfin, qui battent les challengers. Charlotte Flair qui est blessé. C'est une bonne nouvelle pour nous. Oh là là. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Sarah Logan a vraiment un don pour les matchs Extreme Rules. Ok. Évolution des fans, plus 76 000 et profit 12 000. J'ai mon veto de champ, ça c'est bien. 82 000, 27 000. Hmm. Ça m'inquiète pas, hein. Rappelez-vous, dans la première saison, ça fait comme ça aussi. On s'est fait. On s'est pris une tollée sur le début de saison et après on l'a démoli. Ça va pas te plaire, mais ni Nikki Bella, ni Sting, ni Sarah Logan peuvent faire partie de ton show cette semaine. Il a claqué son truc. Allez, c'est bon, Triple H, je m'en fous. Ce maudit Finn m'a attaqué pendant le dernier combat, je vais pas tolérer ce genre de truc. Je vais régler ça en face à face sur le ring. Mais bien sûr, c'est le but. Hein. Ça me va, John, ça me va. Salut boss, j'ai beaucoup discuté avec Otis à un moment, il est une super idée qu'on fasse équipe ensemble pour un match. Ok. Otis qui se lit. Pas cette semaine, hein. Non. Non, non, non. Alors, c'est qui que j'ai plus, là? Nikki Bella, Sarah Logan, donc c'est pour la... C'est pour la truc par équipe, donc je m'en fiche. Je m'en fiche. C'est pas très grave, à son niveau 3 en plus, donc c'est pas grave. Et Sting, pff, mais Sting contre El Hidalgo. Contre Andrade. C'est tristesse et misère. Finn Morrison, je sais plus quoi faire avec vous les gars. Je sais plus quoi faire avec vous. On va juste regarder Viteuf qui sait. Ah, il y a Adam Cole, baby. Sheamus. Oh, une rivalité entre Sheamus et Adam Cole. On peut pas, mais... Oh, Brie Bella! Oh, il y a Brie Bella. Ruby Riot, hein. Pete Dunne. C'est par JTG qui est là! JTG! Crowd Metallic, Dana Brood, Tony Storm, et ça c'est encore les mêmes. Hein. J'ai l'impression que les locales, on les a pas tous, j'ai l'impression. Enfin les locaux, pardon, pas les locales. Ah, Brie Bella, ça me tente! Mais c'est beaucoup trop cher. Je peux pas. Je peux pas acheter Brie Bella, elle est beaucoup trop chère.
Par contre, une petite Ruby Riot, là. Y'a pas une petite Bruiser, là, qui aimerait... qui aimerait se friter. Oh, l'idéal, ça aurait été de faire Ruby Riot contre... Non, j'ai rien dit, c'est de la merde. Ah, y'a que des combattantes, là, ça... Et pareil, y'a deux cruisers. Pfff. Très 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 mauvais rôle. Je sais pas pourquoi JTG est beaucoup plus populaire, enfin est beaucoup plus cher que Ruby Riot. Ruby Riot, elle a un meilleur potentiel, elle est plus endurante, elle est plus populaire. Je sais pas pourquoi elle est moins chère que JTG. Aucune idée. Pareil, Piton, il est beaucoup plus cher que... Ah non, mais c'est parce que... Ah, mais je suis bête, c'est 10 semaines, pas 5 semaines. J'ai rien dit, excusez-moi. C'est moi qui suis un peu bête. Grand Metallic Tibor. Non, on n'a pas de place à perdre avec ça. Sachant qu'on va avoir un match de moins ce soir, parce qu'on n'a pas le match par équipe. Non, on aura une promo de moins. Ah, Adam Cole, pareil, c'est sexy, hein, mais... Il est très très sexy. Hein. 70 d'endurance, 58 de pop. Elle a que 2 en promo. Cela dit. Ok. Putuff les légendes là. Le Rock. André. Piper. Molly Holly. Rick Steiner. Y'a pas Scott. Non, y'a plus Scott. Nidar. Jim Duggan. Toujours Disco Inferno, bien sûr. Oh, petite rivalité là, Jim Duggan et Disco Inferno là. Non, Duggan, il a 54 en pop, c'est pas intéressant. Pourquoi on ferait pas Rick Steiner contre Disco Inferno? WCW is back. Putain, j'ai envie de faire ça. Putain, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. Oh, 5 sur 5 en attitude de promo. J'ai envie de faire ça, je suis désolé, je craque. 3 sur 5 au Disco Inferno. J'ai craqué, désolé, j'ai craqué. Mais. J'ai envie de faire revenir les vieux là. Petit Rick Steiner contre un petit Disco Inferno, un petit match en Extreme Rules, qu'on fait claquer le truc. Bon. Pas de Jomo Fiend, hein, on va. Voilà quoi. Nia Jax, Liv Morgan, Extreme Rules. Je vais te dire, on va faire ça. Donc pas de match par équipe. Ah si, ils avaient dit qu'ils voulaient faire un match par équipe là. Kisly. J'en suis où au niveau des rivalités? 3. Et de toute façon, ça fera que 2. Ah, ils sont que 1. Oui, donc ça fera que 2 au pire. Donc on peut faire ça ce soir. Ford et Cardona. Contre Otis et Lee. Hein. Match normal? Ah, faut au moins un match de type normal? Ah, c'est ça. Bon, on peut faire ça. Hein. On peut faire ça. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire une provocation? Allez, frottante. Ellie Delo, mais. Petite promo de... Ah, la queue 1, GG. J'ai pas fait gaffe à ça. Puis elle est crevée, GG, quoi. Charité de Mandy Rose et charité de GG, mais GG... Oh, je suis à 108 de coups de chaud, là. Si je fais pas un bon truc, je suis mort. C'est la dernière semaine. Donc je vais claquer mon veto champ maintenant. Allez. Il voulait quoi, Jomo? Ah oui, d'accord. Une revanche, pardon. Bon, allez. Hein. Par là-dessus. Hein. C'est un suicide si je fais pas un bon profit. Hein. Parce que du coup, j'aurais pas de thune pour le... View. Allez, Rick Steiner contre Disco Inferno. Ah, oh, ça va faire un bon match, ça. C'est un bon match. Urgh.
Bref. Andrade, ça, au moins ça augmente la rivalité, c'est cool. The Fink contre John Morrison. The Fink, il bat encore le Jomo. C'est mieux, mais la rivalité prend pas. Hein. C'est. Mandy Rose, ok. Montez Ford et Cardona contre Kisly et Otis. Oh, c'est les gens qui gagnent. Ok, ok. Gigi Dolin, ok. Allez les filles, on compte sur vous. C'est entre vous qu'est le destin du match. Enfin, de la soirée, 4 étoiles, c'est bien. Alexander Anderson contre Lesnar et Paige. Lesnar et Paige. Ouais, bah, Lesnar qui gagne tous ses matchs, forcément. Mais Lesnar qui est blessé. Donc il aura pas Lesnar pour le pay-per-view. Non seulement il aura pas Lesnar, mais en plus, moi, je vais les cramer un autre champion. Alors, si c'est Charlotte, j'ai gagné, hein. Charlotte qui est blessé, hein, d'ailleurs. Oh, Mail, plus 6. Christian contre The Blade. Ça avait bidé, je crois, la première fois, mais... Et bah, ça bide la deuxième fois aussi. Doudrop Galkim, sur le papier, c'est pas tout mal, mais dans les faits... Bon, les faits, c'est de la merde. Chad Gable, hein, qui est relégué... Chad Gable qui va être blessé, c'est pas possible. 38 d'endurance. Je pense que c'est Drew Gulak qui va gagner. Même pas. En fait, je crois que Gable a trop de star power. C'est bizarre de dire ça. Bon, on l'a explosé sur ce tour, mais qu'en est-il des profits? On a besoin de thunas. Oh, on est perdant. Ah. Cardona et Ford forment une bonne équipe. Ok. Les matchs Extreme Rules, c'est bien un Rick Steiner. Sans déconner. On repasse premier. Classement premier. Et il a vraiment fait de la merde. Lesnar et Adam Page font vraiment une bonne équipe. On est d'accord. On repasse premier. Mais on a zéro thunas. Ah, lui, il en a encore moins que nous. Il a pas Brock Lesnar. Il a peut-être pas Charlotte Flair. Oh, si Charlotte Flair était blessée pendant 2 semaines, c'est... C'est bonheur. Parce que du coup, ça fait qu'il perd un de ses champions par équipe. J'avais dit, Otis et moi, on a assuré la semaine dernière, parce que nous avoir permis de faire équipe, on a hâte de faire... un match ensemble, refaire un match. T'as entendu le public la semaine dernière, c'était notre première victoire en équipe. Je savais qu'on assurerait avec Otis. Organisez-nous d'autres matchs en équipe, on continuera d'enchaîner les victoires. Pourquoi pas. Devi, t'as vu ce dont je suis capable, mais je sais que je peux en faire plus pour l'écurie. Tu ne feras pas de main event, Cardona. Du coup, pas ce soir. Je t'aime beaucoup, hein, Zach, mais là, non. Là, non. Ça, on va le claquer. Tout de suite, d'ailleurs. C'est dommage qu'on puisse pas voir son roster à lui. Non, faut pas. Moi, j'ai tout le monde, et tout le monde est plus ou moins en bonne forme, à part Liv Morgan qui va commencer à accuser le coup, mais elle est en fin de rivalité. Par contre, si elle gagne la rivalité, elle va devoir poursuivre, parce que c'est la championne. Par contre, si Nia Jax perche, elle va perdre beaucoup de popularité, elle va descendre à 60. Ça va la faire descendre en mid-card. Par contre, Gigi Dolin, si elle perd la ceinture, ça va lui faire mal aussi. Hein. Et bah, c'est parti, main event. C'est quoi le Paul, il veut quoi? Le plus populaire de vos catchers, il est face. Ok. C'est qui? C'est Jomo, Liv Morgan. Jomo contre le Finn et Liv Morgan contre Nia Jax, donc c'est bon. Nia Jax, c'est quoi les bonus? Ah, c'est table. On va quand même faire un Extreme Rules. Hein, pour un... Non, pas un TLC, faut pas déconner. Extreme Rules, match pour le titre. Et on va ouvrir pour le match par équipe. Ok, match en table, match pour le titre. Voilà, ça c'est fait. Il va falloir mettre le film contre Joe Morrison. Normal. Et ensuite, on veut du Otis contre Cardona. Et on veut du... Je pense qu'en vrai... Non, Montez Ford, Kisly. Non, parce que je me suis dit Disco et Rick Steiner, pourquoi pas en fait. Mais ils sont un peu plus fatigués, donc on va faire jouer ces deux-là. Et on va faire des provocations.
Rick Steiner, il était bon, ouais. Rick Steiner pour Disco Inferno. Provocation de... Non. Charité. Ça nous côté les yeux de la tête, mais... Backlash, on claque tout, hein, tout ce qu'on peut. Voilà. On n'a pas beaucoup de thunes. La semaine prochaine, on risque de recruter quelqu'un parce qu'il me faudrait une géante pour... ouais. Il faudrait ou une géante ou une cruiser en fonction de qui est... je peux pas recruter cette semaine, j'ai pas assez de thunes. Oh, il y a Chavo Guerrero qui est là. Kofi Kingston aussi, on l'avait pas vu encore. Ouais, chez les légendes, c'est juste pour le plaisir des yeux en prenant. Oh, Hogan qui est là. Qu'est-ce qu'on a vu? Ted DiBiase Senior. Ted DiBiase Senior, pardon. Candice Michel, Tori Wilson. Hawk. Raven qui est là aussi. Ok. Quoi, Raven? 90 endurance. Purée. Elle est dans les face, Raven. Ok. Il y a beaucoup de face là chez les légendes. T-Shawn Michael. T-Shawn Michael The Rock là. Ouah, le prix de Shawn Michael. Et pourquoi il est si cher? Ah, 10 semaines, d'accord. Que je pensais par rapport au Rock. Voilà, à titre d'info, je crois que The Rock et. Et Steve Austin sont les deux persos les plus chers du jeu, parce que vous voyez, ils sont à 70, qui est le plus élevé pour les personnes que vous n'avez jamais pris. 69 pour Hogan, il doit être juste derrière. Ouais. Ok, il y a une Power Card à prendre là, non. En vrai, ça m'intéresserait. Non, pour deux semaines, ça vaut pas le coup. Plus que les matchs, on n'a pas besoin, non. En vrai, je pense que là, on est bien. Honnêtement, je pense qu'on va bien prendre la tête sur cette soirée. Je suis pas trop inquiet. Il y a beaucoup de matchs en table, cela dit. Mais après, c'est le pay-per-view qui fait ça. Quoi qu'il arrive, Liv Morgan, c'est dodo après. Hein. Ça, c'est gratuit, donc c'est très bien. Allez, c'est parti pour WrestleMania Backlash. Le premier... PLE de l'année. Allez, go! Est-ce que les championnes restent championnes? Oui, les championnes restent championnes. 4 étoiles, c'est très bien. Ça monte, ça? Ouais, j'avais pas trop de doutes. Hein. Kay Cardona qui bat Otis. C'est bien, la rivalité est terminée, on passera à autre chose. Certainement, les titres par équipe. Hein. Andrade, ça, on s'en fiche, il fait quand même la charité. The Finn Morrison, ça fait quoi? Ça fait que Morrison, bah le Finn, il conserve la ceinture. Oh! En d'habitude, c'est que de la merde, mais là, il nous claque un bon match. Ok. Montesfort qui bat Kisly. Ok, c'est très bien. Savoir que pour les pay-per-view, vous faites généralement des meilleures notes. Hein. Alors là, moi je fais un 4,5 là. Faites-moi tout péter, les filles. Mais Jax, 5 étoiles légendaires. Mais Jax, il bat Liv Morgan. Oh, ça va nous rapporter du pognon, ça, cette histoire. Ouh, il a aucune promotion parce qu'il a des persos en moins. Et oui, comme je l'avais prévu, il n'a pas Charlotte Flair ni Brock Lesnar. On a ruiné son show. Doudrop Gale Kim, cependant, ça devrait être pas tout mal. Un match Hell in a Cell. Ah, mais il a claqué tout son PEL. Faire un Hell in a Cell pour un 3,5, c'est un peu short. Hein. May contre Natalia, sur le papier, ça devrait être excellent, mais dans les faits... Dans les faits, c'est correct, mais sans plus. Ah, The Blade, Christian, encore. Hein. Extreme Rules match. Christian qui gagne encore. Pas terrible. Chuck Palumbo contre Adam Page. Adam Page. Ouais, ok. Et le main event. Attention, le Chad Gable.
Je crois qu'à cause de l'intervention de Chuck Gable, qui ne sert strictement à rien, il va perdre en... en popularité, enfin en notes. Ah non, ouais, 4 quand même. Pourquoi Chuck Gable, il est intervenu? C'est pas où le mettre. Oh là là, on le défonce sur chaque match. À part le quatrième où on fait égalité. Mais autrement, on va voir le compte-rendu de ce match-là, là. De super... Nia Jax bat de justesse Liv Morgan. En vrai, c'est dommage que la rivalité s'arrête ici. Oh, Liv Morgan, elle a 24 d'endurance. Elle va faire dodo, Liv Morgan. Deux superstars proches du sommet de la popularité de catcheuses participaient au match de ce soir. L'opposition entre les catégories cruiser et géante a beaucoup attiré l'attention du public. Et les deux combattantes ont offert une performance ayant satisfait les attentes. Le match, pour le titre, à enjeu élevé, a gardé les spectateurs scotchés à leur siège dans l'attente du dénouement. Nia Jax s'est fait un malin plaisir de taper sur les nerfs du public dès le début de la rencontre, sachant que la majeure partie soutenait son adversaire. Le match Extreme Rules s'est avéré être un terrain complémentaire sur lequel s'est joué l'issue de la rivalité aux enjeux élevés. Faut mettre des virgules des fois. Hein. Entre les deux superstars. Un événement digne d'être... Un événement digne d'être tête d'affiche en pay-per-view. Avec un public en délire. Nia Jax en particulier s'est distingué dans le match de ce soir, affichant une aptitude naturelle pour les règles du match Extreme Rules. Candidat pour le match de l'année, l'un des plus grands matchs de toute l'histoire du catch, des superstars à la renommée mondiale au sommet de leur art, manifestant une rivalité passionnante dans un match à vous couper le souffle, un chef-d'œuvre de matchmaking. Je crois que c'est la première fois de sa carrière que Nia Jax a un match 5 étoiles. On peut lui en féliciter. 224 000 fans gagnés et combien de pognon? 94 000, je vous avoue que j'aurais bien aimé dépasser les 100 pour pouvoir acheter une superstar parce que là, Nia Jax, il va falloir lui trouver quelqu'un. Ford a vraiment un don pour les matchs en table. Ok. Oh, il avait pas beaucoup de thunes et là, du coup, il fait des pertes. 25 000 de pertes. Il doit être à quelque chose comme 140 000, un truc comme ça. Adam Page a vraiment un don pour les matchs en table. Et l'évolution des fans, 168 000, on le démonte. Ah, c'était à Miami en plus, le pay-per-view. Ouais, on est bien. Pour le moment, on est bien. Allez, la 174 000, ok, j'ai rien dit. C'est pas beaucoup, hein, mais... Tampa, Florida. Alors, hé, boss, ça fait un bout de temps que je me suis gardé sur le banc. Ah oui, tu veux te battre? Bon, oui, oui, vas-y. On a besoin de toi, Andrade. Enfin, on a besoin de toi, non, mais... Je suis pas au top en ce moment, je m'en fous de la douleur, je vais juste éviter de me baisser gravement. Oui, repose-toi, Liv. J'ai plus besoin de toi pour le moment. Et ben voilà. Et ben voilà. Voilà ce qui conclut... Ce premier épisode, finalement, de ce SmackDown vs. Raw 2022. En mode My GM. Et on se retrouve très vite pour le second épisode, qui est en vérité le troisième épisode, dans lequel bah, on poursuivra notre route. Et puis, on ira recruter une nouvelle personne. Alors qui, peut-être une légende pour affronter Nia Jax. On verra bien, peut-être Ashley Massaro, hein, parce que c'est une voltigeuse. Hein, peut-être Lita, si elle est disponible pour nous. En tout cas, ça, on le saura dans le second épisode. Je vous dis merci à tous, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça fait très plaisir. Et on se dit bien à très bientôt pour un second épisode. Allez, salut tout le monde, bye!